Pour classe égale à HR et Virginie Efira, le mois de septembre est synonyme de rentrée. Elle fait la sienne à Venise. Où commence la 78e édition de la Mostra? L'actrice et membre du jury du festival en a donné le coup d'envoi mardi soir et s'était méticuleusement apprêtée pour cette soirée précédant la cérémonie d'ouverture. Virginie Efira est arrivée à Venise mardi 31 août 2021, la veille de l'ouverture du festival. Elle en a regoûté la ferveur le soir même, en assistant à une soirée organisée par le magazine Variety. L'événement a eu lieu sur le toit de l'hôtel Danili et était consacré au critique de cinéma Alberto Barbera, à qui a été décerné un prix honorant l'ensemble de sa carrière. Virginie Efira a donc assisté à cette remise de World Honorifique, ravissante en robe noire. L'héroïne du film Benedetta, sorti le 9 juillet dernier et projeté au Festival de Cannes, y a également retrouvé ses collègues jurés Cynthia et Rivo, Sarah Gadon, et les réalisateurs Severio Constanzo et Bong Joon-ho. Ce dernier est le président du jury de la 78e Mostra de Venise. Cette année encore, la ville de Venotti sera le théâtre d'un défilé de stars. Il a commencé dès le week-end dernier avec deux défilés haute couture organisés par la maison Dolce & Gabbana. En qualité de membre du jury du festival vénitien, Virginie Efira attirera toute l'attention des passionnés de mode, qui analyseront ses looks à chacune de ses apparitions. Dans une récente interview accordée au magazine Vanity Fair, Virginie Efira a révélé avoir été la cible de blagues humiliantes au cours de son adolescence. Heureusement, aujourd'hui, elle a confiance en elle. Je me souviens d'un prof de maths qui plaisantait en me disant, c'est combien? Virginie. Je rigolais aussi pour donner le change. C'était presque normal. S'est souvenue la comédienne de 44 ans. J'ai revisité ces endroits d'humiliation. Ces souvenirs sont devenus des moments de trouble bien plus tard. Le passé s'est éclairé d'autre chose. J'ai appris à changer la perception de ce qui a été vécu comme une honte, une douleur. À en atténuer le sentiment de gravité, disait-elle.